On se retrouve aujourd'hui, on est le 14 mai 2022. Nous sommes au gymnase de la Poudrière à Mortagne-au-Perche. Je suis avec Stéphanie. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Et aujourd'hui, on va commenter le dernier match de la saison qui a lieu au niveau départemental. Oui, c'est ça. Donc entre Mortagne-au-Perche et Putange, et plus précisément l'équipe de l'US Putange et l'US Mortagnaise. Alors, c'est quoi les enjeux de ce match, Stéphanie, un petit peu? Parce que c'est le dernier de la saison. Quelque chose à la clé pour une des deux équipes? Oui, le match est très très important pour l'US Putange qui joue la montée. Il faut qu'ils gagnent ce match pour finir premier du championnat et accéder à la région. S'ils perdent ou ils font un nul, ils resteront deuxième et ce sera a priori le club découché qui montera en région. Pour l'équipe de Mortagne, il n'y a pas spécialement d'enjeux sportifs. Ils vont essayer de gagner et de faire un beau match. Mais sur le classement, voilà, aucune pression sur le classement pour eux. Alors, je me disais, moi, qui ne connais pas très bien le hand, mais par contre, je me dis que quand on a moins de pression, on peut plus facilement gagner que quand on en a. Et parfois, on fait plus d'erreurs. Oui, après, ils sont chez eux, en plus, les Mortagnais. Mmh. Ils vont être devant leur public. Putange a emmené un petit peu de public aussi. Je pense qu'il y a aussi une différence de travail, parce que Putange, c'était leur projet de jeu. Dès le début de saison, ils ont annoncé qu'ils jouaient la montée. Donc, nous, on n'avait pas un objectif de finir le championnat, mais il n'y avait pas vraiment d'objectif de monter. Donc du coup, on est plus tranquille. Et Mortagne, est-ce que Mortagne a fait une belle saison cette année ? Compliqué. Il y a eu des blessés, il y a eu un effectif des fois réduit à certains matchs, donc pas forcément simple. Putange n'a pas été aidé non plus, il y a eu un problème sur un match en début de saison, il y a eu un problème avec une histoire de col, donc c'est pas simple, mais ils ont souvent été à 12 sur le terrain. Donc voilà pourquoi ils sont deuxième du championnat, et s'ils gagnent ce soir, ils seront premiers. En tout cas, moi qui ai assisté au match donc filles, hein, US Mortagne contre Domfront. Là tout de suite, quand je vois les équipes s'échauffer, ça tape un peu plus fort, hein, déjà. C'est pas la même puissance dans les bras. Non. les garçons sont déjà peut-être un peu plus techniques. Et puis alors au niveau du contact, oui, effectivement, là ça va, on peut dire ça va taper. Oui, j'avais cru comprendre la dernière fois déjà que le hand était un sport de contact. N'hésitez pas à y aller. Non. Surtout là, avec les enjeux que Putange a. Voilà. Bon bah ça va commencer. Oui. Dans 3 minutes, le coup d'envoi va être lancé entre Putange et Mortagne. Donc dernière petite mise au point pour chaque équipe. Dernier petit reprise de souffle et puis après, on va y aller. Alors évidemment, nous, on est Génération Geek, on n'est pour aucune équipe. Hein. On est neutre. On souhaite bonne chance aux deux équipes. Oui. Et de toute façon, que les deux s'amusent. Que les deux s'amusent et que tout se passe bien. Les garçons sont aussi nettement plus bruyants que les filles sur les cris de guerre. Je m'attends toutes les 5 secondes à ce qu'ils nous fassent un hackal. Alors, est-ce qu'on a des joueurs dans les deux équipes qui se sont notamment illustrés cette saison ? Stéphanie. Alors oui, on a à Putange le deuxième marqueur du championnat, le numéro 13, Timothée Lefoyer. Mmh. À Putange, ça joue un petit peu en famille parce que Timothée et son papa jouent dans l'équipe. Donc Christophe et Timothée Lefoyer, donc le 13 et le numéro 18. Super. C'est bien en famille business. Oui. Donc là, donc c'est le numéro 13 et c'est a priori le demi-centre de l'équipe de Putange, si je vois bien. Ok. Et donc à Mortagne À Mortagne,
On a le numéro 5, Jérémy Marie, donc, qui lui est le 14e buteur du championnat, mais il n'a pas fait tous les matchs, il a été blessé. Donc, ça joue très très vite, donc on descend très vite dans les classements, surtout chez les garçons. Et le coup d'envoi est lancé. Le match commence et la balle revient au Mortagnier. Pour commencer. Qui commence tranquillement par faire une circulation de balle sur un temps faible et d'un seul coup, ils vont se mettre à s'engager vers le but, aller plus vite. La défense a l'air solide. Une jolie passe. Ça, c'est le numéro 10 de Mortagne. L'arbitre vient de lever le bras, donc il signale aux joueurs que c'est jeu passif, qu'au bout de 6 passes, ils vont perdre la balle s'ils ne s'engagent pas vers le but. Donc là, il leur reste 3 passes. Si dans 3 passes, ils n'ont pas tiré, ils perdent, les Mortagnais vont perdre la balle. D'accord. Voilà, ils ont perdu la balle. Il faut qu'ils s'engagent vers le but, sinon c'est l'arbitre aussi. Une contre-attaque de Donfron. Le numéro 4, Jérôme Massé, qui est le 3e buteur du championnat, qui vient de marquer le premier but. Ça va très très vite. Hein. Oui, donc quand ils perdent la balle, l'équipe qui la récupère va le plus vite possible vers le but parce que la défense n'a pas le temps de se remettre en position. Quoi. Ah oui, oui, oui. Là, l'arbitre siffle la remise en jeu. Donc le premier défenseur prend la balle et relance la contre-attaque. Et Putange a repris la balle. Encore une fois. Qui tire et là, ça rentre. Ah non, ça rentre pas. Mais moi, je serais à la place du gardien, je serais effrayée. J'aurais peur. Je me pousserais, en fait, je crois. Je crois qu'ils aiment ça, parce que sinon, ils n'auraient pas choisi le poste. Je pense qu'à l'origine, voilà, Théoda, le numéro... C'était alors, joli ça. Théo d'Aragon, le 4 de Mortagne, qui marque le premier but de Mortagne. Très joli, très joli but. Alors cette fois c'est à Mortagne de défendre et Putange en attaque. Voyons voir ce que vaut la défense de Mortagne maintenant. Ça joue très vite. Un peu agressif. Ça vient au contact. Ça va vite, hein. Ça s'engage. Ça... Et ça rentre, un joli point en cloche. Le numéro 6, donc Joris Le Prévost. Et donc nous sommes à 2 points pour Putange et 1 point pour Mortagne pour l'instant. L'écart n'est pas très grand. On voit que le banc de Putange est très expressif, il donne beaucoup de consignes. Dommage. Et Putange récupère la balle. Oui. Là il compte. Remonte. C'est le 14. Et ça rentre. Et ça rentre après un double poteau. Le 14, donc Thomas Chéruel, le Putange. Ah, c'est traître les poteaux, hein, ça rebondit. Et nous sommes à 3-1 pour Putange. Les Mortagnais veulent aller trop vite. Et du coup, perdent la balle. Dommage, tir du petit 2. Je dis petit parce qu'il est petit par la taille, c'est un jeune senior première année. C'est un très Thomas bon but Thomas Chéruel, 2 buts de suite. Qui creuse l'écart entre Putange et Mortagne, 4-1. Pour l'instant, je crois que Mortagne cherche encore son rythme de croisière. Oui, ils ont du mal à se trouver. Possiblement. Mais Putange est tellement sous pression que du coup, il ne laisse rien passer. Il semblerait. C'est ça. Passe au pivot. Là, le pivot, le 14 de Mortagne, était ceinturé. L'arbitre siffle faute et une remise en jeu pour Mortagne.
14 qui remarque. Et qui tire comme un boulet de canon. Je pense qu'ils ont eu la leçon de son camarade, de son coéquipier qui a raté la contre-attaque et le banc a tout de suite redonné les consignes de précision. Chaque but est important hein, pour Pétanche, donc il ne faut pas gaspiller. Est-ce qu'ils ont un minimum de points à faire pour gagner? Ils doivent gagner, donc il faut qu'il y ait un but de plus pour eux à la fin du match pour qu'ils gagnent. Et la balle est perdue pour Mortagne. Numéro 4. Et ça rentre dans les buts de Mortagne. Mortagne ne replie pas. Donc ça va devenir problématique pour le gardien de Mortagne. Voilà. Une petite pause est demandée par l'équipe. Qui a demandé cette petite pause? C'est Mortagne. Mortagne demande un temps mort. Je pense que les choses vont être reposées, recadrées. Donc Mortagne, clairement... manque de repli. Et en attaque, ils font systématiquement la même chose. Ils cherchent des solutions, il n'y en a pas. Hein. Ils cherchent le pivot alors que le pivot est bien pris. Donc là, du coup... Il faut innover. Il faut qu'ils se remettent en course, on va dire, vers le but collectivement et pas essayer chacun de leur tour d'aller faire une passe qui est à chaque fois interceptée, sans en plus repli défensif. Donc du coup, à chaque fois, le gardien... c'est compliqué pour lui. Donc. Moi, comme tout à l'heure, je le disais, hein, à sa place, je me serais poussée. Parce que sans défense, en plus. Là, c'est compliqué, hein, on le voit. Il y a trois Mortagnais qui replient, les trois autres sont encore dans la moitié de terrain de Putange. C'est pas logique. C'est pas logique. On a, je sais pas combien on a de temps de jeu, pas beaucoup. On n'est pas encore fatigué. On est à 5 minutes 42 là, de jeu. À 5 minutes, on doit replier. Doit y avoir et un bac bleu. Il faut courir vite et il faut y retourner. Donc là, comme le temps mort a été demandé par Mortagne, c'est eux qui ont de nouveau la balle et qui refont la remise en jeu. Et Mortagne va essayer de décreuser l'écart, qui s'est fait quand même important, 5 points d'écart en défaveur de Mortagne et en faveur de Putange. Donc là, il faut remonter au score rapidement. Voilà, là, ils se mettent en course vers le but, voilà. Ils cherchent des trous. Voilà, là, déjà, on voit que c'est un peu plus tonique, on va dire. C'est pas le bon terme, mais... On a le banc qui donne des instructions, hein. Mais Putange a récupéré le ballon. Et ça contre-attaque, encore une fois. Ça contre-attaque. La défense est revenue un petit peu plus vite. Oui. Et du coup, c'est un point manqué pour Putange. Non. Mais ça ne passe pas. La défense de Putange semble infranchissable et le gardien bien à sa place. Oui, l'attaquant de Mortagne était bien pris. Donc, l'arbitre a redonné le ballon à Mortagne. C'était une passe qui était à destination de Putange et la Mortagne avait une possibilité, mais... Donc là, jet de 7 mètres. Il y a eu une petite faute. Alors, soit il y avait faute, soit il y avait défense en zone. J'ai pas vu le geste de l'arbitre. Peut-être les deux, parce que c'était engagé comme action. Ah, il y a un coup franc. Un jet de 7 mètres. Jet de 7 mètres, donc tiré par le numéro 14. Et c'est au-dessus. Allez, on ça ne passe pas. Voilà. Donc il faut remonter rapidement en défense pour Mortagne. Mais Putange prend son temps. Oui, on se remet en attaque placée. Voilà. Donc c'est la seconde attaque placée de Putange. Ils ont marqué tous leurs buts en contre-attaque pour le moment. Et, voilà. Et ça rentre dans la défense. Donc but du numéro 14. Et nous sommes à 7 points pour Putange et 1 point toujours pour Mortagne qui n'arrive pas à monter ses points. Non, ils ne trouvent pas la solution. Soit ils échouent sur le gardien, soit ils se butent dans la défense. Encore un essai pour Mortagne. Là, ils vont essayer de circuler jusque de l'autre côté. Non, mais c'est encore raté. Putange qui récupère la balle, qui et arrive. Toujours les 4. Qui va cette fois-ci. Remet. Ah, il a remonté très très vite le terrain. Oui. Après, Mortagne n'a pas eu le temps de se remettre en défense. Il défend un petit peu haut, donc c'est toujours lui le premier à partir en contre-attaque
souvent ils attendent même pas de voir si le but y est, ils commencent à partir pendant que la balle quitte la main du joueur qui tire, donc il a toujours un temps d'avance en fait. Ça leur réussit depuis tout à l'heure puisque ça leur fait gagner des points considérables. L'effectif de Mortagne a un petit peu changé là, il y a eu quelques changements sur le terrain. On a entre guillemets fait rentrer les anciens. Ah voilà. Tir du numéro 5. Donc Jérémy Marie qui un petit marque point. Son premier but. Un petit point pour Mortagne. Oh. Il en faut encore 6 pour revenir ex aequo avec Putange. On entend la défense de Mortagne qui essaie de se parler, qui essaie de s'encourager. Voilà. Tir du numéro 13 à côté. On n'entre pas le gardien qui sort de ses buts. Ah voilà. Mortagne essaye de passer, mais il ne passe pas pour l'instant. Non. Il faut qu'ils aillent chercher l'intervalle, le couloir entre deux joueurs. Et là, souvent, ils vont chercher le défenseur au lieu de chercher l'espace libre à côté. Et puis, Tange récupère la balle, revient vite vers les buts de Mortagne. Mais la défense. Voilà. Ça, c'était un contact. Donc là, il y a un avertissement, carton jaune. Donc, du numéro 11. De Mortagne. Donc, et en plus, il y a jet 7 mètres. Donc c'est le numéro 13, Timothée Le Foyer, qui va, on va dire, affronter en duel le gardien mortagnais Antoine Guy. Mais ça passe. C'est difficile à arrêter un jet 7 mètres. Hein. Oui, et puis bon, Timothée Le Foyer, le numéro 13 de Putange, est quand même le deuxième meilleur marqueur du championnat, donc bon, ça doit aider. Voilà. Ça n'aide pas le gardien, dirons-nous. Allez, Mortagne réessaye de passer à l'attaque. Là, on sent qu'ils sont un peu plus engagés que sur les 5 premières minutes. Voilà. Allez. Ça bouge un peu plus, en effet. Ouais. Ça fait des longues passes. Voilà. Ça essaye de tirer et ça rentre. On tire du numéro 3 et but de Clément. Pile dans le coin. Oui. Bien envié. Il est bien parti de son point de corner. Il a reçu la balle en course et il a tiré pour marquer au premier poteau du gardien de Putange, donc Sébastien Beaufrère. Et là, on a la même en retour. Ah, du numéro 3. Très, très bien. On est à 10 points pour Putange, 3 points pour Mortagne. Oui. Mortagne qui galère un peu à remonter au score. Mais comme on le disait au début, hein, Putange est gonflé à bloc. L'enjeu est important. La pression est énorme. Ils ne relâchent absolument pas leurs efforts, leur défense. Ce qui semble mettre un petit peu en difficulté Mortagne ce soir. Plus ils ont une défense étagée, donc en 1-5, ce qui perturbe énormément la circulation de balles de Mortagne. Ils n'arrivent pas à passer de droite à gauche, ils perdent les balles sur le secteur central. Ah, mauvaise passe du gardien de Putange qui donne la balle finalement à Mortagne. C'est pas mal. Voilà, vers le but. Et ça rentre. Ça rentre. Oui. Très très bon but du 14. Voilà, donc la Mortagne, après 2 minutes d'infériorité numérique, se retrouve de nouveau à 6. Donc, voilà. Et là, ça va jusqu'à l'aile, voilà. Et ça rentre. Ça semble passer toujours sous la jambe du gardien. Mais bon, c'est dur. Hein. C'est dur. Là, le numéro 3, donc, de Putange, connaît son job, hein. On le voit. Tout petit intervalle, il y va. Allez. Mortagne repart. On circule à la balle, on essaye de trouver un endroit où ça passe. Dommage. Il est poussé. Mais c'est arrêté.
L'arbitre donne la balle à Mortagne parce qu'il y a faute sur le tireur. Les passages de balles c'est joli ça. Et but du 14 de Mortagne. Très beau but de Mortagne qui revient à 6 points d'écart avec Putange. On essaye de remonter toujours. On voit la différence quand les Mortagnais se mettent en course. Hein. Il n'y a pas photo comme on dit. Hein. Là, Putange, voilà, point de circulation. Ils vont fixer les intervalles et hop, ça finit à l'aile. Et ça marche très bien comme stratégie. Oui. But du 6, Floris Le Prévost. Et on a toujours 7 points d'écart entre Putange et Mortagne. À 13 minutes de jeu. Oui. Le banc de Putange encourage énormément sa défense. Je cite, à essayer de surveiller et de travailler en équipe. Et oui, il n'y a rien. Et le ballon est repris par Putange qui arrive comme un boulet de canon. Et c'est un magnifique arrêt du gardien de Mortagne qui l'a arrêté du bout du pied tout en haut de sa tête. Magnifique. Il faut aussi être acrobate quand on est gardien. Ah oui, les gardiens sont souples. Quand on voit à quelle hauteur ils arrivent à lever leurs pieds. Et c'est du travail, ils travaillent. Bon, tous les joueurs travaillent énormément. Hein. Passage de balle qui s'est mal passé pour Mortagne. Contre-attaque. Putange a repris et là cette fois ça rentre. Le numéro 10 qui a malencontreusement laissé passer la balle et l'a donnée à Putange, sans faire exprès bien sûr. Ça peut arriver. Il devait chercher son pivot qui était dans la défense et qui n'était pas disponible. Dès que le porteur de la balle est vers le défenseur, il est pris. Et... Le défenseur vient tout de suite au contact. Ah. Et là, et pour peu qu'il récupère la balle, il débaroule à toute vitesse vers les buts de Mortagne. Et il n'y a pas besoin de beaucoup de violence pour que ça rentre. Ah non, parfois, là, il prend son temps. Hein. Il prend son temps, il regarde ce que fait le gardien. Ce fut un joli but en cloche. Cinq points pour Mortagne, 14 pour Putange. On est presque à 10 points d'écart entre les deux équipes. Vers le but, voilà. Là, c'est beau. Pas mal. Ah. Le numéro 3 de Mortagne a essayé de réitérer son exploit, mais il n'a pas réussi. Et Mortagne redemande un petit temps mort. Non, c'est Putange. C'est Putange, là, qui demande. C'est toujours l'équipe qui a la balle qui peut poser un temps mort. D'accord. Sinon, ça pourrait être antisportif de pouvoir poser un temps mort sur l'attaque de l'adversaire. Mmh. Donc, c'est l'équipe en position de balle qui peut poser un temps mort. OK. Alors, je le répète, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu le premier match, moi, pas connaître le hand, moi, pas connaître les règles, moi, savoir qu'il faut mettre le ballon, le truc rond, dans le panier, mais c'est tout. Ça s'arrête là, malheureusement. On note un changement de gardien. Putain, j'en profite pour changer de gardien. Précédent gardien qui pourtant avait arrêté pas mal de buts. Hein. Donc ça doit être... Et bon, que ce soit Mortagne et Putange, on voit les sourires sur les visages. C'est toujours quand même un match bien sympathique. Les deux équipes ont l'air de s'amuser en tout cas. Très jolie action. Mortagne qui repart vers les buts de Putange, donc qui va essayer
de retenter de mettre un but. Pourquoi pas ? Allez, on va... La défense de Putange est assez... mobile. Ils sont très actifs. Et puis, il y a le pivot, là, le numéro 4, qui est toujours devant les autres. Dommage. Contrairement à la défense de Mortagne, ils sont plutôt en ligne. Oui. Et donc là, Putange, ils mettent un joueur toujours devant. Donc, j'ai ça a l'air d'être... Mortagne, numéro 5 de Mortagne. Et voilà, qui marque le jet de 7 mètres. Putange qui repart très très vite. Hein. Ah oui, ils n'attendent pas. Hein. Ils n'attendent pas et du coup, ils marquent. Ils marquent. Un jet de 7 mètres, un but en face. Il faut tout de suite recreuser les cas. Donc là, on notera sur Putange, ils ont effectué des changements. Donc on a les deux, le numéro 7, le numéro 2, qui sont Hugo et Romain Hino, ces deux frères du coup. On joue en fratrie à Putange. Hein. On se comprend bien. Alors Mortagne a perdu son ballon. Elle recontre-attaque. Mais cette fois, ça ne rentre pas. Voilà. Le ballon était trop haut. Oui. Et du coup, il a loupé les buts. Il y a une faute sur le tireur. Donc du coup, il y a 7 mètres. Alors, j'ai pas vu la faute, moi, perso. Il a été gêné. Un petit contact. Un petit contact. Voilà. Et le 18. 18, Christophe Le Foyer. Et nous sommes à 6 à 16 pour Putange. Et donc, les 10 points d'écart sont atteints. Oui. On est toujours en première période. On est à 18 minutes de jeu. Donc, on peut faire un petit ratio d'environ un but par minute pour Putange. Ce qui est assez grand, quand même. Après, c'est vrai que ça joue très vite. Hein, on le voit. Hein. On va vers le but, voilà. Se serait-il pris les pieds dans ses pieds ? Peut-être. Peut-être. Oui, il est allé vers le but, il a été pris par le défenseur. On le voit, hein, c'est très... C'est physique, hein, c'est ce qu'on disait en début de match. Les garçons n'ont pas peur de l'impact. Ils vont chercher le défenseur, ils vont le provoquer. Et malheureusement, Mortagne perd assez souvent sa balle au profit de Putange. Ce qui arrive très rarement pour Putange, qui pour l'instant n'a pas perdu un seul ballon au profit de Mortagne. En tout cas, pas en pleine action. Voilà, ça n'empêche pas Mortagne de marquer un très joli but. Oui. On le voit, ça fait la différence. Hein. Quand ils se mettent en mouvement, vraiment, ils peuvent faire quelque chose quand ils ne sont pas dans l'attente. Là, maintenant, il faut qu'ils arrivent à être solides en défense. Voilà. Là, on l'entend. Ça, oui, ça... C'est sportif. Donc, allez. Là, ils vont partir de l'aile. Hop. Oh, joli. Alors, c'était une jolie tentative en rase-motte. Voilà. Mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Là, maintenant, ça a eu de ne pas perdre la balle parce que, putain, je reste très, très actif sur la recherche de récupération de balles. Hein. Ils ont pas replié, ils ont préféré... Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Putain, je repars extrêmement vite. Le numéro 4 était tout près des buts de Mortagne. Voilà. Défense en zone du numéro 11. Et le gardien qui a fait son boulot. Gardien avait fait son boulot, mais défense en zone du 11. Donc, jet de 7 mètres. Donc, deuxième duel entre le même tireur et le gardien. Et ça rentre. Là, il n'y a pas de chichi, hein. On n'essaye pas, c'est... C'est franc. Masculin. C'est franc du collier. Allez, Mortagne tournoi, essaye de trouver la faille. C'est leur défenseur. Il n'y en a pas. Voilà, à chaque fois, Mortagne se fait attraper. Putange a récupéré la balle et arrive comme un boulet de canon. But du numéro 2. Et c'est de nouveau en but. C'est ce défenseur
qui est situé à 9 mètres, qui gêne la circulation de balle, qui fait des interceptions. Et c'est vrai que Putange repart très très vite en attaque. Ah oui, voilà. Il suffit qu'un ballon passe à sa portée et c'est fini. Ça repart très vite. Très très actif, voilà. But du numéro 3. Et nous sommes à 19 points pour Putange, 7 pour Mortagne. 22 minutes de jeu bientôt. Allez, Mortagne réessaye, ça tourne, mais putain, j'ai réintercepté le ballon, il faudrait presque compter les moments où Mortagne a perdu la balle, et je pense que là, ça fait un chiffre un peu haut. Oui, je pense, ils ont plus de temps de possession de balle, mais ils la perdent, et ils vont trop devant le numéro 1, le défenseur central. Il faut qu'ils prennent, à mon sens, hein, je ne sais pas les consignes que va donner le capitaine, mais à chaque fois, ça passe. Ah, en plus, là, Mortagne est en train de baisser les bras complètement, il y a zéro bleu qu'on replié. Ils sont restés dans la moitié de terrain de Putange. Et malheureusement, le gardien de Mortagne est impuissant face à ce genre d'attaque. Ah oui, pas grand-chose à faire dans ces cas-là. Tout bon gardien qu'on puisse être. Oui, c'est compliqué parce qu'en plus, je pense que psychologiquement, il voit ses coéquipiers qui sont loin, qui ne l'aident pas. Même si eux sont en difficulté en attaque, ils ne l'aident pas. Donc du coup, c'est très, très... Voilà. Mortagne qui arrive quand même à marquer un 8e point. Mais putain, je repars extrêmement vite. Et là, il va y avoir 2 minutes. Voilà. Là, c'est ça. Là, une il y a faute. Faute, une grosse faute sur un joueur qui est en tir, en course. Donc, on a un joueur de Mortagne qui prend 2 minutes. Donc, ils vont jouer à un de moins. Pendant 2 minutes. Pendant 2 minutes. Donc là, Putange va en profiter. Va en profiter, oui. Généralement, quand on est un de plus, on en profite, voilà. Et ça rentre. 13. Un 22e point pour Putange. Là, et Mortagne, effectivement, qui semble un peu abattu, un peu à bout de souffle. La mi-temps va faire du bien, je pense. Oui. Ils ne trouvent pas leur marque. C'est compliqué, là. Donc, Mais effectivement, Putange a une défense assez imparable. Très compliquée à passer. Et qui permet de récupérer des balles à chaque fois. Donc remonter. Ah, c'était annoncé. Ils sont un de moins, donc ça sert à rien de monter une contre-attaque. La défense de Putange est déjà remise en place. Donc les Mortagnais vont un petit peu essayer de gagner du temps en faisant une circulation de balles. Ils sont un de moins, donc j'espère qu'ils ne vont pas se précipiter et qu'ils sont un de moins pour essayer de... Mais ils ne peuvent pas faire circuler la balle indéfiniment non plus. Non, il va falloir qu'ils aillent quand même au but, mais qu'ils prennent le temps de voir où il y a des couloirs disponibles, voilà. Ouais, mais pour un attaquant mortagnier, on a 3 défenseurs de Putange. Et là, c'est compliqué de passer au travers. Oui. Voilà. On se met en mouvement. Une jolie tentative. Oui. Jolie tentative de Mortagne, mais malheureusement, ça ne passe pas. Putange prend un petit peu son temps pour remonter. Ouais, ça finit à l'aile. Est complètement cohérent puisqu'ils sont un de plus, donc la défense se déplace avec le porteur avec la balle, mais il y a beaucoup plus d'espace pour l'ailier. Il en profite. 23 points pour Putange, 8 points pour Mortagne, 25 minutes de jeu, il reste 5 minutes avant la mi-temps. Est-ce que Mortagne va réussir à poser un ou deux buts avant d'aller se reposer? Alors moi j'aurais tendance à dire que pour le moment l'essentiel c'est d'arrêter l'hémorragie. Jolie tentative de kung-fu entre le 6 et le... Et ça n'empêche pas le numéro 13 de récupérer la balle et d'aller rendre visite au but adverse. Mortagne qui est de nouveau 6 sur le terrain.
Ah, Putange a perdu sa balle. Mortagne semble reprendre un petit peu d'énergie. C'est toujours plus efficace quand on est 6. Mais ça ne rentre pas dans les buts. Et Putange qui remonte extrêmement vite, voilà, extrêmement fort. Et là. Dommage. Le gardien l'a touché, mais ça ne suffit pas. Le 4 donc, de Putange, Jérôme Massé marque le 25e but. Mais peut-être que ce serait le numéro 4 de Putange qu'il faudrait marquer pour lui éviter de prendre les balles. Reprise de dribble. Ça a été sifflé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le joueur de Mortagne a fait une reprise de dribble. Donc, il a dribblé une fois et après un échange de ballon entre les deux mains, donc reprise de dribble. Donc, la balle a été redonnée à Putange. Et certains joueurs n'avaient pas entendu le coup de sifflet, donc ils s'interrogeaient. Voilà, hop, ça passe. Passage de bras. Dommage. Donc là, l'arbitre revient à la faute. Voilà. Là, on l'a vu, hein, la défense de Mortagne monte sur le numéro 13, donc qui est potentiellement. Alors, je ne sais pas si au travers de nos micros, on entend les booms des ballons contre le. Mais je crois que c'est pour ça que le mur du fond est rembourré. C'est pour éviter de faire des trous. Parce que ça tape, hein. Ça tape pas mal. Hein. Voilà. Allez, le numéro 7 qui va essayer. Ah, mais non, marcher, le but ne passe pas. On bat la Mortagne. Il reste 2 minutes. Donc Mortagne accélère le jeu. Et va essayer. Voilà. Mais il repère la balle. Non. Non. L'arbitre leur redonne. Il y a faute sur le porteur de balle. Ça circule, ça circule. Ils vont repartir d'une aile à l'autre. Voilà. Ça va repartir sur l'aile. On essaie d'aller jusqu'au bout. Tentative de passe au pivot. De voilà. Pas perdre la balle, mais. Donc, malheureusement, les Mortagniers n'arrivent pas à avoir suffisamment d'élan pour taper fort. Et du coup, c'est tout de suite arrêté par le gardien. Donc là, il y a. Ouais. Il y avait faute sur le pivot. Donc là, du coup, l'arbitre jette 7 mètres. Donc on tente un nouveau tireur, le numéro 6, Jérôme Champy, qui marque. Ça marche. Voilà. Quand la faute était faite sur lui, alors, il prend sa revanche, il marque le but. C'est normal. Oui. Il faut se venger. Amicalement, bien sûr. Oui. Et des fois, on dit que c'est pas forcément opportun de faire tirer le joueur sur qui la faute a été commise. Là, ça marche pour lui. Donc. Ça circule entre les joueurs de Putange pour essayer de marquer. Ah, le pivot tout seul derrière, voilà. Ça marche. Et ça marche et ça marque. Reste 30 secondes avant la sonnerie de la mi-temps. Mortagne se parle pas trop en défense, j'ai l'impression, parce que le pivot était vraiment tout seul. C'est ce que Mortagne cherche à faire en attaque, hein, à pouvoir passer au pivot qui est dans la défense, sauf que là, Putange, eux, par contre, sont vraiment sur le pivot. Et la balle est perdue, et ça repart. Dommage, il la touche. Mais et le numéro 4 va rentrer la balle. Là, il reste 7 secondes, donc le gardien de but choisit de monter en attaque. Pour être un de plus, il a le droit. Hein. Il a le droit. Et pourquoi ils ne font jamais ça ? Alors, le but, là, je ne sais pas s'il a été filmé. Donc, le numéro 11 a tiré avant le buzzer. Donc, le but n'est pas validé parce qu'il n'était pas rentré complètement derrière la ligne de but au moment où la sonnerie de la mi-temps se passe. Donc, le but n'est pas accordé. D'accord. Et donc, le gardien peut monter comme ça en attaque si l'envie lui prend. Oui. Alors, il n'a pas le droit de sortir de sa zone avec la balle, mais il peut jouer comme un joueur de champ sur le terrain. Voilà. Avec eux pour être. Eh bien, écoutez, on va faire une petite pause. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. Donc, dans 15 minutes, 20 minutes 10, quoi, 15, 20, oui. Et puis, on va voir ce que va faire Mortagne pour recoller au score. Parce que là, 9-28, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais bon. Le but, c'est de jouer. Gagner est un plus.
On va aller prendre les impressions des deux équipes, écouter ce qui se dit, et puis on en redira plus en début de première mi-temps, de deuxième mi-temps. Allez, à tout à l'heure.
Et nous revoilà dans ce match, donc toujours au gymnase de la Poudrière à Mortagne-au-Perche. Dernier match de la saison départementale qui voit s'opposer Putange avec l'espoir de pouvoir monter au niveau régional s'il gagne ce match contre l'US Mortagnaise. Et donc le score, 9 points pour Mortagne dans cette première période à 28 points pour Putange. Toujours dans cette première période. Nous espérons que ces 15 minutes de pause auront servi à se recentrer, surtout pour Mortagne, pour trouver des solutions. On va voir. Putange. Et c'est Putange qui a la balle. On commence doucement pour Putange. On se remet en jambe. Oui, la mi-temps a été assez relax, ils ont dialogué. Voilà, alors Antoine Guy, le numéro, le gardien de Mortagne, voilà, premier arrêt de la deuxième mi-temps. Il a le sourire. Il a le sourire, voilà. C'est une bonne manière de commencer une période. Donc on voit, Putange, toujours cette défense avec le numéro 4. En avant. En avant, devant à la sortie, en dehors des 9 mètres. Donc même toute la défense est très très haute, là, je vois qu'ils ont changé de côté, donc ils sont juste devant nous maintenant, donc on les voit nettement mieux. Et putain, j'ai récupéré la balle, Mortagne l'a de nouveau perdu, le 14 arrive et c'est un but. Ça c'est la première période qui recommence. Voilà. 9 à 29, il y a 20 points d'écart entre les deux équipes. Alors on sent Putange nettement plus détendu qu'en début de première mi-temps. Hein. Ça rigole. Ils ont 20 points d'avance. Oui, oui, oui. Entre guillemets, s'ils en perdent 3-4. Ils commencent à sentir doucement la région. Donc je pense que là, l'essentiel, c'est de ne pas se blesser, c'est de finir un match propre. Voilà. Ça ceinture beaucoup à Mortagne, hein. On empêche le joueur d'avancer, mais c'est pas forcément une action. Je sais pas si c'est autorisé. Non, c'est non, pas autorisé. Hein. C'est pas autorisé. C'est pour ça que c'est plus. J'en avais un doute. Voilà. Voilà, Antoine Guy encore, le gardien de Mortagne qui a fait de nouveau un arrêt. Et qui monte, un peu. Ah, Mortagne monte un petit peu plus vite. Mais ça ne passe pas. Mortagne récupère la balle. Les enjeux, on va partir, j'allais dire de l'aile. Non, la balle repart là-bas. Voilà, ça part de l'aile. Ça va demi-centre. Hop. Mais toujours ce petit souci de perte de balle. Voilà, troisième arrêt du gardien. Alors lui, ça lui a fait du bien à mi-temps. Ceux-là, ils ont pris une forme. Ça fait deux contre-attaques, trois contre-attaques. Je crois que le 14... Il s'est détendu et tout va bien là. Oui. Là, il se sent bien dans le match. Ou alors, il s'est mis un petit objectif en tête, personnel du coup, puisque collectivement, ça va être compliqué, mais peut-être que lui, c'est... Personnellement, il s'est dit qu'il allait arrêter plus de buts qu'à la première période dans ce même contexte. Voilà, donc, sûrement. Il a envie d'en prendre plus. Il est prêt, il sait qu'il y aura, si c'est le même contexte, beaucoup de contre-attaques. Ce genre de contre-attaque-là, ouais. Voilà. Et putain, C'est vraiment une défense qui est très haute et c'est vraiment ça qui pose problème à Mortagne, c'est que Mortagne est tout de suite contre les défenseurs et ils ont vraiment cette paire de balles. Et du coup, très peu d'élan en fait pour marquer. Ah oui. Et donc ça ne passe pas, le gardien a beaucoup de facilité à arrêter la balle. Et c'est ça. Là on le voit, hein. Il y a et des bon. Trous derrière, il faut que le pivot il se mette en mouvement dans le dos de la défense. Parce qu'il y a vraiment... Voilà. Oh, ça, c'était joli. C'était joli de la part de Mortagne. Théodore Aragon qui doit marquer son deuxième but, je crois, du match. Et il faut se remettre très rapidement en défense. Voilà, c'est ça. Et putain, je mets directement, même en attaque, un joueur dans la ligne de défense de Mortagne. Oui. Le pivot est placé en plein centre, du coup... Derrière les défenseurs. Oui. Oh, joli. Et ça n'empêche pas Putange de mettre ce but. Alors, donc en fait j'ai l'impression que Putange, il y a celui qui tire sort, parce qu'il y a beaucoup de changements à chaque attaque, chaque défense. Il y a au moins un joueur de Putange qui sort. Peut-être que ça les fait être moins fatigués. Peut-être pour faire tourner, pour se faire plaisir aussi.
On essaye une autre solution à Mortagne, là. Ça ne passe pas, c'est à côté. Mortagne n'a toujours pas trouvé la formule magique pour passer cette défense. Non, elle est très haute, là. Il faudrait que le pivot de Mortagne arrive à glisser un peu. Il y a vraiment de la place pour lui. Voilà. Là, on note une rentrée en deuxième pivot de l'ailier. Ah, Jérémy. C'est pas mal. Ça rentre. Le numéro 5, Jérémy, ça rentre. Voilà. Par contre, ça repart extrêmement vite. Ça, le gardien de Putange a une faculté à récupérer la balle pour relancer très vite ses attaquants sur les buts. Ça laisse très peu de temps à Mortagne de se mettre en défense. Alors, qui a fait la faute là? Là, le numéro 13. Le numéro 13 de Mortagne. Mais c'est une remise en jeu. Voilà. Il n'y a pas de sanction. Voilà. Ah. Mortagne a récupéré la balle. Une contre-attaque. Allez. Une très belle contre-attaque. Mais ratée. Très jolie roucoulette. Du numéro 10, Jean-Pierre. JP, 10 JP à Mortagne. Voilà. Il est rentré dedans. Oui, oui, il est rentré dedans. Dites-donc. Ah ben, je l'avais même pas vu. C'est ça, geste très technique. Bah, très joli alors. Voilà. Et bien arrêté. Encore un arrêt d'Antoine Guy, le gardien de Mortagne. Ah, il n'y a plus rien qui passe là à Mortagne. Hein. Ça rentre plus aussi facilement. Voilà. On est à 12 points pour Mortagne, 30 points pour Putange. Je te sens dubitative. Oui, je vois des petites choses qui me plaisent pas, mais ça, c'est, je devrais pas dire ça. Donc, il faut que Mortagne se reconcentre sur le jeu et pas sur d'autres choses. C'est un match physique, hein. Putange a de l'expérience technique et de jeu, donc là par contre il y a faute sur le bras. J'ai pas vu si c'est pris... Faute sur un joueur de Putange. Alors il y a deux fautes. Il y a la faute, je pense, dans le tireur de Mortagne, dans son geste, il a dû mettre un coup. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que c'est particulièrement douloureux pour un garçon. Mais il s'est aussi fait prendre le bras dans son tour. Ah. C'est pour ça qu'il y a 7 mètres. En tout cas, moi, ce que j'aime bien dans le hand, c'est que même si l'enjeu est élevé d'un match, il y a toujours cette sympathie entre joueurs d'équipe adverse. C'est toujours bon enfant, sympathique. Oui. On s'entraide, même quand on se blesse. Dommage. Ça il ne tire rentre à côté pas. Alors qu'il avait ce qu'on appelle un boulevard. Mais ça arrive. Ça arrive, bah oui, même oui, en meilleur. Voilà. Et là, voilà. Et la Mortagne qui marque. Très joli but de Mortagne. Ils sont en mouvement, ils vont vers le but. Ils ont envie. On a l'impression qu'ils ont un peu plus envie qu'en début de mi-temps. Je sais pas. Dans leur jeu, ça se voit un peu plus. Donc, mais il et ça marche. Pas, il faudrait pas que Putange se repose sur ses lauriers. Ça pourrait être dangereux puisqu'on est à 37 minutes de jeu. Il reste 23 minutes. Et en 23 minutes, il peut s'en passer des choses. Bon là, Mortagne est en supériorité numérique hein, puisqu'il y a un joueur de Putange qui a pris 2 minutes. Donc ils sont un de plus aussi. Hein, ça facilite grandement les choses. Encore pendant 55 secondes, Mortagne est à ce qu'on appelle à 6 contre 5. Hein, donc, putain, j'ai perdu la balle. Allez, voilà, contre-attaque Mortagne de Mortagne. Repart extrêmement allez, vite. Ils sont, voilà. Vers les buts. Allez. Mais la défense voilà. De Putain, j'ai quand même en place. Et but numéro 5 de Mortagne. Putain, je vais retenter de marquer de nouveau un point. Il leur reste 25 secondes avant d'être de nouveau 6. C'est ça. Là, Mortagne a choisi du coup de défendre un peu comme Putange. Ils font sortir leur pivot à 9 mètres. Pour... Et le fait est que ça fonctionne jusqu'à présent. Défense efficace. Voilà. Ouh, très joli. Le gardien de Mortagne qui fait son job. Très jolie attaque, mais très jolie défense de la part du gardien. Là, pour le moment, Mortagne a complètement changé de visage. Hein. On les sent beaucoup plus impliqués, beaucoup plus dans le jeu, finalement, que tout à l'heure où ils étaient, on va dire, endormis.
pas le bon terme, mais... Et voilà. Le gardien très en forme. Allez. La remise en jeu pour Mortagne, il y a faute sur le tireur, voilà. Ne prends pas. Mortagne essaye de trouver la faille. Bah, il va provoquer la défense, voilà, allez. Et voilà, là on l'a vu, faute sur le tireur, donc jet de 7 mètres, encore une fois. Putain, je fais beaucoup plus d'erreurs dans cette deuxième période que dans la première. Les jets de 7 mètres sont plus nombreux pour Mortagne. On est donc... Le duel. À 16 points pour Mortagne, contre 30 pour Putange. L'écart se resserre. Petit à petit, ça grignote du côté de Mortagne. On sent Mortagne un peu plus appliquée, on les sent aussi en défense, on les entend parler. Tout à l'heure, on avait une défense jolie. Voilà, là c'est propre. Il est en course, s'il n'y a personne qui monte sur lui, il tire. Mortagne va retenter. Voilà. Numéro 4 qui tente quelque chose. Voilà, ah dommage. Mais la balle est perdue et tout de suite récupérée par, par Putange qui remonte extrêmement vite. La balle sort. Il sort. Ça freine un peu la remontée de Putange, mais ils conservent la balle et vont retenter leur chance. On est de nouveau en attaque placée, voilà. Putain, je fais circuler hein, de gauche à droite, s'engage vers le but, hop. Et ça entre, tout doucement. Alors. Non. Donc là, le but n'est pas accordé parce qu'il y a faute sur le tireur. L'arbitre a le choix, hein. Il peut accorder le but, mais il peut aussi... Jet de 7 mètres. Jet de 7 mètres, donc là, il choisit le jet de 7 mètres. Parce que c'est extrêmement difficile à arrêter aussi. Oui. Mortagne remonte extrêmement vite. Allez. Ça se bat un peu là. Ça se pousse un peu. Donc ça, là, ces petites poussettes là, c'est interdit. Hein. Si l'arbitre le voit, il peut les sanctionner. Mais nous ne pouvons rien dire à l'arbitre. Non, c'est surtout que c'est très difficile. Il est tout seul pour une grande surface de jeu. Il ne peut pas se mettre dans la mêlée. La tête, il ne peut pas se mettre dans la mêlée. Voilà. Donc quand ils sont deux, c'est plus facile. Ah putain, je vous fais une de ces remontées. Dommage, le gardien. Du tonnerre. Le gardien était pas loin du ballon. La touche, je pense qu'il a senti passer très très près de ses oreilles, après ce que j'ai vu. Alors c'est vrai que d'arbitrer tout seul une rencontre comme ça, il y a plein d'angles morts, il y a plein de choses que l'arbitre, il peut pas voir. Hein, mais de toute façon. Mais c'est le but du jeu. Voilà. Aussi, de alors, laisser la possibilité aux joueurs de. Alors, il y a des choses. On essaye de pas faire de fautes. Mais... Voilà. Après c'est un championnat départemental. Quand on monte en division, en niveau, les arbitres sont deux. Voilà, encore une paire de balles de Mortagne. Tange a récupéré. Tange, ils sont à deux. Voilà. À deux contre un, ça ne peut que passer là. Et donc Putange s'est mis en tête, je pense, de récupérer leurs 20 points d'écart. On est maintenant à 16 pour Mortagne, 34 pour Putange. C'est vrai que je ne suis pas allée leur demander s'ils avaient un petit objectif, parce que des fois, ah, joli passe au pivot qui marque. Oh, ça c'était très 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 joli. Ça, joli. Le gardien de Putange n'a rien pu faire. C'est l'inconvénient de la défense haute de Putange, hein, c'est que du coup il y a de l'espace derrière pour le pivot. Si les arrières. Ça remonte très vite, Mortagne a pris à remonter très vite. Et le numéro 2 qui marque un excellent but, super joli. Là franchement. Là, faut pas qu'il ait peur. Un gardien a été montré très très haut dans sa parade, hein, dans sa zone. Donc là, faut pas avoir peur. Hein. Si vous vous retrouvez vraiment face à face. Nez à nez. Ah, pas loin. En plus, le gardien de Putange est grand, le tireur de Mortagne était petit. Bah, était petit donc, Mais justement, ça l'a servi là. Voilà. Joueur de Mortagne exclu pour 2 minutes, hein, on voit. Hein, il ceinture, il attrape le joueur en course. Donc 2 minutes.
C'est pas très très fair play tout ça. À 3. Donc là du coup, Putange en supériorité numérique. Et va en profiter, voilà. Ça rentre. Profiter. Voilà. Le gardien un petit peu énervé. Ouais. Sa défense ne l'a pas soutenu. Non, puis je pense que le ballon qui lui a frisé les oreilles tout à l'heure l'a agacé. Un peu calmé. Plutôt agacé. Parce que c'est vrai que avec la puissance de shoot. Ça peut être dangereux. Vers les oreilles, ça peut, voilà. Ça peut être dangereux, hein. On peut se faire très mal au hand. Mortagne, faut pas l'oublier. Pas la balle. Ah, dommage. Et putain, je la récupère. Voilà. Allez, et fait une de ces contre-attaques dont ils ont le secret. En plus, Putange, les joueurs de Putange varient excessivement leur façon de tirer. Hein. Ils montent en suspension, ils attendent. Ils tirent rapidement dans la course. Donc, difficile c'est très à prévoir. Ouais, pour le gardien, c'est compliqué. On ne peut pas mettre en place une stratégie pour chaque but. Non, il faut s'adapter à chaque fois. Ouais. Avoir des réflexes. Ça, pas si facile que ça d'être gardien de but au hand. C'est la palette de couleurs du peintre, là, la palette du tireur. Hein. Il a le choix des appuis, de la façon d'envoyer, de la force. Et là, sur une contre-attaque, en plus, il a le temps. Une jolie passe à l'aile. Ah. Et voilà. Mais ça ne passe pas, ça tend un petit peu trop long. Putain, je qui relance très très vite, on le voit. Hein. Il y a la moindre balle. Ils sont rapides. Ah, ça va finir sur l'aile, voilà. Oh, passage en force. Mais non. Ça passe. Il valide. Ça passe, ça passe. Probablement que le joueur de Mortagne s'est un petit peu emmêlé les pinceaux dans ses pieds. On voit le deuxième gardien qui se prépare. Je pense qu'ils ont arrangement, ça dépend. Des fois, les gardiens font une mi-temps complète et ils changent à la pause. Et là, Putange, en fait, ils changent au quart d'heure, comme ça, dommage sur l'aile. C'est pas mal aussi de faire comme ça. Ça permet de ne pas trop fatiguer le gardien. Qui doit quand même rester en alerte, en éveil. Voilà. Numéro 11. Donc, pour éviter de faire rentrer des balles comme ça. Oui, de Mortagne qui vient de marquer. Numéro 11, un président du club de Mortagne. Et le gardien de Putange, voilà. Qui change. Donc là, tu l'avais dit. Le numéro 1, donc Thomas Savary. À la 45e minute de jeu. C'est arrêté. C'est arrêté ou oui, c'est arrêté. Il l'a touché. C'est arrêté. Alors on est un peu loin du but de Mortagne. Donc je ne vois pas toujours quand c'est un arrêt ou quand c'est le mur. Parfois. Ça ne. Alors Mortagne essaye de passer. Là, voilà. Il faut qu'il se refasse le mouvement vers le but, là, comme ils ont fait tout à l'heure. Mais ça sort. C'est compliqué, là. C'est récupéré par Putange, ça remonte extrêmement vite. Allez, on passe. Oh là là. Si je pouvais courir aussi vite, je crois que je ne serais jamais en retard au boulot. Hein. Voilà, là, on voit, ça circule de gauche à droite, ça va vers le but. Ils ont fait un croisé, là, voilà, pour mettre, on va dire, en orbite le tireur. Oh, joli. Wow. Mais... c'est à côté. Le 13 et le 18. Donc en fait, c'était le papa pour le fiston. Voilà. Ah putain, j'en comprends. Le numéro 2, passablement énervé, parce qu'il a visé à côté. Mais c'est pas grave. Il est jeune. Il pourra se rattraper. Voilà. Il faut que... ça n'est pas son dernier match. Non. Sa première année en senior, hein, le joueur de Mortagne, le 2. Donc il faut... ça a tapé les genoux du joueur et du coup ça a fait ricocher vers le gardien, mais pas de la bonne manière. Défense de Putange, j'ai déjà replacé. Ah, il se replace extrêmement vite. Hein. Donc là, voilà. Ils savent parfaitement où se mettre, ils sont bien préparés. Deux défenseurs, trois défenseurs en dehors des 9 mètres. Donc là, il faut vraiment que Mortagne se mette en mouvement vers le but. Donc faute sur l'ailier de Mortagne, on reprend. Voilà. Et tout de suite, la défense de Putange qui remonte. Hein. Il n'y a pas. Voilà. Oh là là, oui, oui, oui. Ah, il y a un joueur dans la 1 contre 1 qui s'est pris un coup. Mal placé, dirons-nous. Non, là c'est dans la poitrine, non, cette fois-ci. Enfin, c'est mal placé aussi. Mais c'est mal placé aussi, oui.
Voilà, hop, c'est dans l'enchaînement. Allez, pour le pivot. Ah, mais Mortagne perd sa... Ah non, ne perd pas sa balle. Non, il perd pas la balle parce que... Alors, coup, oh, c'est beaucoup de contact, là, c'est beaucoup de contact. On l'entend, le crissement des chaussures sur le sol. C'est ça. Notre ligne de vision est cachée par la ligne de défense de Putanche, donc on ne voit pas ce qui se passe dedans, en fait. Mortagne a tenté un truc. Ah, voilà, la première ne passe pas, mais la deuxième, ça passe très très bien. Qui marque à l'aile. Il y a eu du contact entre le pivot de Donjon et le pivot de Mortagne. J'ai cru remarquer depuis le début de ce match. Joli. Le gardien était à deux doigts de l'arrêter, là. Ouais. Mais j'ai cru remarquer quand même que Mortagne avait beaucoup de... Ça fonctionnait mieux quand ils y marquaient avec l'ailier plutôt que de frontalement. Oui. Ça... Ils y arrivent mieux comme ça. Il y a plus de place aussi. Oui. Parce que... Ça marche bien. Ça ferme beaucoup sur le secteur central. Hein. Ils sont très mobiles. Hein. Très, très mobiles. Hein. Là, il faut qu'ils qu'il reprennent. Joli. Dommage. Ah, c'est pas ça payé, a failli. Comme on dit. Ça a failli. Oui. Ça remonte extrêmement vite, mais c'est perdu. Le gardien la récupère très très vite. Là, c'est précipité pour Putanche. Il perd la balle et il se replace. Voilà. Un petit peu trop rapide. Et je le rappelle, on est à 20 points pour Mortagne, 38 points pour Putanche. Pour Putanche. Et donc, Mortagne a quand même marqué 11 buts depuis la reprise de cette deuxième période. 11 points. C'est pas mal. Bon, c'est perdu pour Putanche. Mortagne a replié. On part extrêmement vite. Oh là là, oh là là. Oui, oui, oui. Oh. Oh là, ça. Oui, là, ça a cogné. Là. J'ai pas vu. Je pense que c'est dans le ventre. Dans le ventre encore. Dans le ventre. Le sternum en a pris un coup. Ah, c'est vrai que quand il est en l'air. Plus de peur que de mal. Oui, on attend le coup de sifflet pour. Ah non. Et pas de rancœur, ça c'est quand même cool. Non. C'est vrai que c'est très plaisant. Appréciable. Ouais, oui, oui. Il y a des clubs où clairement on va y jouer en ayant entre guillemets la boue. C'est pas le cas. Dommage. Encore une contre-attaque alors. Voilà. Mais là, c'est là que je ne comprends pas pourquoi Mortagne, on vient de voir des joueurs quand même qui sont restés comme ça, là où ils étaient, et qui n'ont même pas couru pour aider leur gardien. Ils s'est trouvé en très fâcheuse posture. Ah, y a deux solutions. Soit Mortagne est fatigué et du coup, ils n'ont plus de jus. Donc, c'est plus facile d'en trouver pour attaquer que pour défendre. C'est vrai que ça fait 51 minutes qu'ils jouent aussi. Voilà. Hein, donc, et vu comme ça chagne un petit peu de temps en temps... Où ils sont découragés et du coup... Oui, mais le pauvre gardien, lui, il n'a rien demandé à personne. Non. Faut l'aider un peu. Ouais. Voilà, putain, je repose l'attaque. Voilà. Arrêt, et c'est arrêté magnifiquement par le gardien, mais repris par Putanche. J'ai cette fois, vite, ça passe. Voilà. Mortagne n'a pas eu le temps de récupérer le ballon pour la mettre en sécurité. Non. Et dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, il n'y a pas de deuxième gardien à Mortagne. Non, il est blessé. Donc, le gardien, ça fait quand même 51 minutes qu'il est là. Qu'il est là, oui, oui. Mais toujours en forme. Et donc, Mortagne a demandé un temps mort. Oui, pour souffler, sûrement redonner quelques consignes, quelques ajustements. Se remotiver un petit peu. Se remotiver, mais oui. Non, le deuxième gardien de Mortagne est blessé, donc du coup, voilà. C'est pour ça qu'il n'y en a qu'un, mais sinon, dans leur effectif, ils avaient deux gardiens. Jusqu'au l'avant-dernier match, je crois. Bon, après, il faut quand même admettre que le gardien de Mortagne se défend extrêmement bien et a beaucoup de mérite, je trouve. Oui. Donc, pendant ce temps mort, il reste 25 secondes de temps mort demandé par Mortagne. On est à 21 points pour Mortagne, 40 pour Putanche. La fin du match semble quand même nous indiquer que Putanche est en bonne voie pour gagner. Oui. Et pour monter en régional. Oui, oui.
ce qui était leur objectif, mais... Ils sont quand même. Ils restent concentrés. Hein. J'ai l'impression qu'en début de première mi-temps, ils ont un petit peu. Lâché. Ils étaient un petit peu lâchés. Du coup, Mortagne a marqué quelques buts. Et là, on voit leur visage. C'est pas la détente. Déterminé. Hein. Ouais, parce qu'il ne faut pas lâcher, parce que en hand, 8 minutes, c'est largement suffisant pour renverser un match. Il suffit de rien. Je pense aussi qu'ils veulent éviter de faire n'importe quoi et de se blesser, parce que souvent, quand on joue. Comme je dis, du handball champagne, on veut faire des gestes techniques en rigolant, c'est là qu'on se blesse. Donc du coup, je pense qu'ils veulent être concentrés pour éviter justement ce genre de choses. Oui. Trois défenseurs qui tiennent un attaquant quand même. Oui. Ça va jusqu'à l'aile. Et ça essaye, mais ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas, le gardien l'a arrêté avec son pied. Et là, c'est le poteau qui l'a bien aidé. Et cette fois, la balle est mise en sécurité. Le gardien qui monte. La contre-attaque, qui veut donner le ton à ses joueurs. Voilà. Leur montrer ce qu'il faut faire. Allez, si. Et ça rentre. Le gardien qui fait vraiment office de booster pour son équipe. Moi, j'aime bien. J'aime bien ce genre d'esprit. Allez, putain, voilà. J'essaye de trouver. Voilà. Ça ne passe pas. C'est passe à côté. Oui. Mortagne remonte. Va essayer de passer la défense. Allez. Ne perdez pas le ballon. C'est un travail en arrière ailier. Voilà. Allez, Théo va vers le but. Faute sur le tireur. Oh. Remise en jeu pour Mortagne. Ça aurait pu passer, mais c'est pas passé. Manque d'élan. Manque d'élan, il était bien tenu aussi. Donc, après, il n'arrête pas son tir parce qu'on va jusqu'au bout. C'est à l'arbitre. Il y a des arbitres qui, comme on dit, qui laissent jouer, qui donnent la chance au maximum au tireur. Il y en a qui sifflent tout de suite. Donc, voilà. On s'attend, mais ça ne passe pas. Le gardien de Putange est bien réveillé. Et là, oh là là, cette passe, elle était longue. Et du coup, ça passe. Hein. Là, en une passe, le but est mis. Oui, une très bonne relance tout de suite. Voilà. Les gardiens de Putange, quand même, lancent extrêmement loin la balle. En comptant sur leur équipe pour aller en attaque extrêmement vite. Et ça fonctionne hein, pour Putange depuis le début. Ça relance très vite, que ce soit en contre-attaque ou pour une remise en jeu après un but. C'est très très rapide. Hein. Ils prennent pas le temps de souffler, hein. Ça c'est certain. Et puis les joueurs de Putange sont à l'affût hein, de la moindre balle qui pourrait être récupérée, perdue. Et ça ne passe pas. Voilà, donc la balle pour Mortagne. Le ballon est venu nous rendre visite. Et est remis en jeu. Voilà, oui. La remise en jeu, comme ça, une sortie de terrain, c'est une qui est sur la ligne. Le joueur ne l'avait pas fait, c'est pour ça que l'arbitre le recycle. Ça c'est trop haut. Oh, c'est par terre. Oh, c'est par terre, c'est pas bien ça. Ouais, il n'est pas rancunier, tout va. Ouf, bah alors. Oh, c'était. C'était pas de bol. Non, oui, j'ai pas vu d'où ça venait. C'était pas de bol d'un joueur de Mortagne. Donc là, du coup, l'arbitre redonne la balle à Mortagne. Il y a eu faute sur le bras. On a tous entendu claquer, comme on dit. Donc la balle est redonnée à Mortagne. Et Mortagne essaye. Il s'engage vers le but. Ça siffle. Que se passe-t-il? Petite faute. Petite faute sur le porteur de balle. Voilà, voilà. Allez. Hop, 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 hop. Oh. Tiens. Allez, ça a pu commencer. Le ballon est revenu nous dire un petit bonjour. Oui. Après, putain, j'ai très très fair play. Hein. Avec les joueurs. Voilà. Ou estimer que c'était au bleu, du coup, comme le match est joué. Il joue très fair play, ouais. Il redonne la balle à Mortagne. Changement de joueur pour Mortagne, le numéro 6 qui rentre à la place du numéro 4. Et on va essayer de marquer quelques points encore pendant ces 4 dernières minutes de jeu. Se faire plaisir.
On essaye de pas perdre de balles. Voilà, ça. Allez, on y va. Peut-être que l'objectif pour Montaigne, là, c'est de se faire plaisir et aussi de ne pas offrir trop de buts supplémentaires à Putange. Oh. Belle défense, hein. Ça va au contact. Le gardien qui veut jouer, lui aussi. Oui, ça doit le démanger. Après, il est gardien, mais je sais qu'il peut jouer aussi sur le terrain. Donc, bon, là, par contre, le pivot est ceinturé. Et une grosse faute. Jette 7 mètres. Pour Mortagne. Pour Mortagne. Numéro 14, c'est pas son premier de la soirée. Et ça ne passe pas. Trop. Voilà la part du gardien qui s'avance tout doucement pour gêner le tireur. Et Putange. Putange qui marque. Qui marque ? Oui, qui marque. Oui. Ça n'a pas atteint le fond du but. Si, justement, oui. Si, mais on l'a pas entendu. On l'a pas entendu. C'était tout doucement. Par contre, attention, j'ai vu le gardien de Mortagne se masser un peu la cheville. Ah, c'est possible. Là, il a l'air de courir. Il a l'air de jouer parce qu'il a envie. Il a envie, donc il joue. Après tout, il a le droit. Après, c'est aussi une nouvelle règle que les professionnels utilisent souvent la supériorité numérique sur une fin de match difficile ou une tentative de kung-fu entre les joueurs de Mortagne qui a échoué et but, puisque le gardien était en attaque. Oui, mais de toute façon, la défense de Mortagne n'étant pas en place relativement vite, oui. Le gardien n'aurait rien pu faire de toute ça façon. Ça aurait été encore une contre-attaque. Donc, tant qu'à faire, autant qu'il s'amuse. Voilà. Là, du coup, ils veulent s'amuser, mais récupérer par très cafouillé. Oui, très cafouillé. Ça ressemble pas à grand chose, là. Voilà. Là, il faut qu'ils arrivent. Ils peuvent faire des beaux gestes techniques, se faire plaisir, mais là, il faut se mettre dans de bonnes conditions pour le faire. Pour le gardien qui va essayer de. Voilà, le gardien qui, le gardien qui essaye. Il a essayé de marquer. C'est beau. Allez, dommage. La balle est redonnée au gardien. C'est possible. Gardien de Putange qui a essayé de marquer un but tout seul. Mais le gardien de Mortagne n'est quand même pas trop inconscient. Et il avait réussi à redescendre. Il n'est pas trop loin. Pas trop loin. Là, Mortagne, du coup, sont à 7 contre 6 en attaque, comme le gardien vient jouer en attaque. Donc là, il reste une minute. Voilà, ça. Là, il va tirer. Ah non. Il va essayer. Voilà, il donne à l'aide. Dernier, pourquoi je dis dernier moi? Peut-être pas. Peut-être pas. Il reste 45 secondes. Voilà, donc là, voilà. Par contre, ça entre pour Putange. Hein. Là, tout de suite, alors, dans ces dernières minutes, hein, c'est vraiment un point pour Mortagne, un point pour Putange. Voilà. Il y a 12 points d'écart. 30 secondes. Non, même pas. Là, faut que. Voilà. Plus que ça. 22 points d'écart. Là, il faut qu'il se. Il reste 20 secondes. Donc là, du coup, là, voilà, on entend Putange, on se colle 6-0, ils sont descendus à 6 mètres pour éviter les petits tentatives de kung-fu et tout ça. Et ça rentre pour le numéro 5 de Mortagne. Il reste 24 5 points. Secondes. Donc 2 secondes. Voilà, 24-45. Donc Putange gagne. Le gardien qui est épuisé, il n'en peut plus. Et donc, ben voilà, Putange va finir premier du championnat départemental de l'Orne et va accéder du coup au championnat régional. Ils ont atteint leur objectif. Il faut quand même admettre qu'ils sont bien battus. Oui. Ils ont bien joué. Mortagne aussi. Les deux équipes ont bien joué. Deux équipes ont bien joué. Les deux équipes ont eu l'air de s'amuser en tout cas. Je vais être un peu chauvine. Mortagne, je pense, aurait pu faire beaucoup mieux dans leurs prestations. Mais voilà. C'est un beau match et puis bon, Putange a gagné. Voilà. Ils ont atteint leur objectif. Est-ce que Mortagne aurait peut-être eu ses chances s'ils avaient eu deux gardiens et qu'ils avaient pu changer un peu? Non, je pense qu'ils n'ont pas trouvé leur rythme. Et du coup, ils n'ont pas trouvé leur rythme. C'est vraiment ça qui est dommage. Donc là, voilà, ça y est. Putange.
Eh bien voilà, c'était le dernier match de la saison départementale du hand, donc ici au gymnase de la Poudrière à Mortagne-au-Perche. Donc dernier match qui a vu s'opposer l'US Portagnaise à l'US Putange, et c'est l'US Putange qui a gagné, donc 45 points à 24. Et donc récompense ultime pour Putange, on change de catégorie, l'année prochaine ce sera la régionale. La régionale, voilà. Ça sera pas le même... Non. Ça sera pas la même chose. Je pense qu'ils sont prêts pour ça, ils ont travaillé mais, pour ça toute voilà. l'année. On a vu voilà. qu'ils avaient un très bon niveau. Après, l'US Mortagnaise a encore de beaux jours devant elle, va oui. pouvoir s'améliorer oui, encore. Oui, il y a des très jeunes, il y a des joueurs qui ont de l'expérience, voilà, il y a des blessés, il y a beaucoup de choses qui font que ça a été compliqué la fin de saison. Donc je pense que du coup... Et puis il ne faut pas oublier que le principal, c'est de prendre du plaisir en juin. Oui, je pense qu'ils ont pris du plaisir, de toute façon on l'a vu, ils ont tous le sourire malgré la défaite, là ils sont tous ensemble. Donc voilà, c'est bien, c'était une belle soirée. Donc voilà, vous nous retrouverez peut-être l'année prochaine donc sur d'autres matchs de hand, pourquoi pas, sur d'autres sports aussi. J'aimerais bien m'essayer à d'autres sports, mais on verra bien. En tout cas, vous le saurez si vous nous suivez sur Génération Geek YouTube. En attendant, merci Stéphanie. Merci à vous. Et puis, merci à Martin de nous avoir accueillis pour cette soirée de hand. À plus les amis. Au revoir.